Salut à tous les amis, bienvenue sur Winamax TV, il est 11h, on est dimanche 7 novembre et on va parler tennis final de Paris-Bercy avec Benoît Mélin et Julien Varlet. Alors, ils sont endimanchés. Je ne vous raconte pas les tenues, mais là, je sens que c'est un jour important. Ah bah oui. On va commencer par saluer Benoît Mélin. Bah oui, bah non, mais bien sûr. Toi, c'est carrément smoking. Bah, non, trois mais pièces. C'est comme si on allait voir le Grand Prix d'Ascot, là. C'est légendaire. On a le numéro 1 mondial contre le numéro 2 mondial. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en costume et moi, je suis en jog basket en dessous, vous ne voyez pas. Bah non, en fait, elle s'est déshabillée dans sa bagnole tellement elle est marre d'être dans les bouchons. Elle a couru nue dans les rues de Paris. Mais oui, parce qu'il y a encore une course à pied. Tous les dimanches à Paris, il y a une course à pied et là, il pleut. Alors voilà, je comprends pas. Il faut que courir à Paris. C'est ça, exactement. C'est une folie totale. On va y revenir au bonjour juste après, mais il faut saluer Mister Commentaire. Oh là là, il a sorti le petit skinny. Mister Glab. Mister Glab. Mais tu sais quoi, c'est que j'entraîne et je suis tout le temps en survêtement. Et là, je prends un plaisir, mais un réel plaisir de m'habiller entre guillemets. Donc voilà. Après, si les gens n'aiment pas, je m'en fous. Mais les gens adorent. Voilà. Les gens. C'est beau, c'est beau. C'est sublime. Mais ça me plaît, moi ça me plaît. C'est sublime, franchement. Benoît. Oui. Qui va-t-on saluer aujourd'hui, sachant que les éconduits de ta liste reviennent vers moi après, me disent ouais Marie, Benoît il m'a pas dit bonjour, etc. Donc Mathis et Armand, je vous embrasse particulièrement. À qui va-t-on dire bonjour maintenant? Ben oui, parce qu'il y a tellement d'éconduits. Alors déjà bonjour, merci à tout le monde, hein, et aux mamies hein, qui étaient encore là hier. Hein. Oh, j'adore. Mais j'ai pas pu aller les voir, mais elles étaient là hier. Alors je vais dire bonjour, parce que là, celui-là, il m'a dit... Ça fait une semaine que tu nous le... Ben ouais, tu vois, mais il faut que t'attendes, machin, et tout ça, parce qu'effectivement, le 7 novembre, c'est le jour de son anniversaire. Oh, c'est... Vas-y, c'est... Il va fêter ses 28 ans, il s'appelle François Ferchaud. Donc, joyeux anniversaire, François Ferchaud. Et en plus, en même temps, il me dit, ce serait gentil de dire bonjour un petit bonjour à mon papa Yves, qui a 70 ans et qui a passé 30 ans, alors qu'il a passé 30 ans au classement 30. Oh, et là, cette année, il est descendu à 32. Oh, ah, il est effondré. Continue, Yves, lâche pas l'affaire. 30 ans à 30 ? 30 ans à 30. C'est quand même bon. Alors, c'est marrant, tu parles d'anniversaire, parles de 7 novembre. Exactement. Et bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa. Il a 60 ans, donc joyeux anniversaire, papa. Et il a passé 30 ans à 15,5. Voilà, tu vois, belle histoire aussi. Ah, bah, tu vois, c'est pas mal quand même, tout ça. Donc, continuez comme ça, on vous adore. Allez, on vous salue plus globalement parce qu'il n'y a pas que Mathis, que Armand et que François. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nous suit surtout cette semaine. Les amis, bienvenue dans votre émission, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou sur Winamax. N'hésitez pas à envoyer des petits pouces et à commenter. Le Fennec nous dit « Benoît, la vidéo avec Medvedev me hante les nuits ». Oui, ça c'est très drôle, ça s'est passé sur Twitter. Il y a une journaliste qui a capturé un moment où Benoît est avec Daniil. Bah, je vous la reposterai, mais je ne sais pas si je peux... je vais demander. Tu vas la reposter. Je vais demander, je vous la remettrai. Ça. Allez voir, c'est très drôle. Daniil Medvedev m'en parle toujours. C'était 2017, c'était 2017, non ? C'était Masters 2017, non ? Masters 2017. Je crois, quand il était jeune joueur et qu'il a eu la prime. Je ne sais pas, mais en tout cas, en fait, il avait Technifivre avait mis en place pour ses joueurs un espèce de concours tout au long de l'année. Et celui qui remportait une espèce de tournoi entre eux, remporter un chèque de 50 000 dollars, qui est énorme quand tu es un joueur au-delà de la 100e place mondiale. Et Daniil Medvedev avait battu Greg Barrer dans le match couperet, qui déterminait qui allait gagner ce chèque. Et il l'avait d'ailleurs massacré. Et Daniil Medvedev, avec ce chèque, il a dit « Moi, ça m'a changé ma carrière. J'ai pu commencer à me payer un entraîneur, l'amener avec moi sur les tournois. Et donc, tout d'un coup, tu démarres autre chose. » Mais il n'avait pas été aussi sparring durant la semaine du Masters ? Non. Il n'avait absolument pas le droit d'être sparring. Non. Ah, d'accord. Je crois non, il était juste là pour recevoir le chèque, tatati, machin. Et là... Le Technifi me dit tiens, est-ce que tu pourrais pas faire une vidéo avec Daniil parce qu'on le connaît pas. C'est mythique, allez la voir. Vraiment. Et là, je vais le voir. Je dis il paraît que tu parles un peu français. Il me dit ouais, mais il commençait un petit peu à parler français. Hein, il n'était pas à fond. Donc je lui avais écrit les textes, enfin les phrases qu'il devait dire, et il avait adoré ça. Donc on avait joué quoi, vraiment. On avait tourné ça avec un petit téléphone à 2 balles. Et après, je lui ai dit si vraiment. Vraiment, t'as envie de faire l'acteur, on monte sur le toit de l'O2 Arena, parce qu'on était au Masters à Londres.
Elle me dit, mais comment ça, on peut monter sur le toit et tout ça? Et ouais, ouais. Ils ont fait le Titanic tous les deux. Et donc, il a pris, on a pris les combinaisons, non, c'est génial, on est attaché comme une, comme encordé, quoi. Et on monte là, il y avait un vent de dingue, de froid, et je lui avais écrit le texte tout en haut en lui disant, voilà, tu vas dire, I am the king of the world, façon Titanic. Et il me dit, non, je ne sais pas si j'ai envie de dire ça. Je lui dis, vas-y, c'est juste une petite vidéo pour rigoler comme ça. Et il l'a fait, et puis bah ouais. Remets la vidéo, Benoît. Remets la vidéo tout à l'heure. Okay, okay, et tu le prends dans tes bras comme DiCaprio ? Mais il fait pas que ça. Ouais. Il fait pas que ça. Et il fait pas que ça. Et je crois qu'on a coupé la vidéo parce qu'elle est. Je crois qu'il voulait pas qu'on finisse comme ça, mais sinon je me colle contre lui, puis je le regarde, puis je dis Daniel. Allez, on vous repostera cette vidéo, les amis. Le sommaire, le Daily Mail de Allez. Benoît Mélin, vous avez l'habitude. Ensuite, on ira donc à Paris pour cette finale, l'heure du dénouement à sonner. Qui sera sacré, on va en parler longuement, finale de rêve entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Enfin, Julien Varlet a une dernière chance de renverser le véritable GOAT. Va-t-il la saisir? C'est la finale de Bercy, aussi, parce quoi. Que, c'est ça, exactement. J'espère que tu seras au niveau. Hein. Allez, ce qu'il ne fallait pas manquer, tout de suite, le Daily Mail. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait pas manquer? Alors oui, alors... les calculs savants de l'ATP au début de la semaine nous avaient expliqué qu'effectivement, non, Novak Djokovic ne peut pas être officiellement sacré numéro un mondial en fin de saison 2021, tant qu'il gna gna gna. Et puis, hier matin, ils ont sorti un nouveau truc, comme quoi c'était sûr et certain. S'il battait Urkac, et quel que soit le résultat de l'autre demi-finale, c'était sûr et certain qu'il était numéro un mondial. Donc, alors je comprenais. J'ai vérifié, quoi. Je me dis, avec les points, les calculs des points, les trucs de 2019 qui restent encore à enlever, mais est-ce qu'ils vont leur enlever, machin. Il faut savoir que Daniil a encore ses points, je crois, du Queens de 2019. Moi, j'ai rien compris. Novak a encore ses points de je ne sais quoi. Enfin bon, mais de toute façon, ces points-là seront enlevés qu'en 2022. Pas encore en 2021. Donc, logiquement, on a... Novak Djokovic qui en gagnant sa demi-finale, d'accord, bon, ok, il gagne ses points, mais si Daniil gagne le tournoi de Bercy, il y aura 1500 points d'écart entre les deux. Et je me dis, 1500 points d'écart, Daniil Medvedev gagne tous ses matchs sans en perdre un, et que Djoko n'en gagne aucun, ok, ça semble un petit peu improbable, mais... on aurait le même nombre de points à la fin de l'année. Manon nous dit que ça commence quand même à être prise de tête. Ah ouais, c'est chiant. Non, ouais, c'est chiant. Clair, franchement, et alors après, alors, y en a, on parlait entre journalistes, alors il y en a qui me disaient, ouais, mais attends, après, s'ils sont à égalité, on va prendre celui qui a gagné le plus de tournois du Grand Chelem. Alors si jamais ils en avaient gagné deux chacun, ben, on prendrait celui qui a gagné le plus de Masters 1000. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce boxon, quoi. Enfin bon, voilà, il est numéro un mondial, c'est sûr et certain. Pour la septième fois. Bravo Pépère, c'est complètement dingue, puisque je vous rappelle... il est 7 fois numéro 1 mondial de fin de saison en 11 ans, puisque la première fois c'était en 2011, et puis il l'a fait en 2012. Il bat le record de Stampras. Ouais, ah bah oui, il le fait en 2014, il le fait en 2015, il le fait en 2018, il le fait en 2020, il le fait en 2021. Les deux seuls joueurs qui ont réussi à l'empêcher de le faire, c'est Rafa, 3 fois je crois. Rafa 3 fois, et puis Murray. Incroyable Murray qui avait réussi à le faire en 2016. Voilà, enfin voilà. Il est... monstrueux. Il est monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot. Je crois que tu l'avais... T'as mis ça, toi, monstre, ouais, ou je ne sais pas quoi. Ouais, ouais, bah oui, parce que c'est vraiment... Ça l'est complètement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pierre Hugarbert et Nicolas Mahut en finale de Bercy. C'est à midi, non? C'est dans une heure? Midi et quart, je crois. Dans une heure. Allez-y, les amis, si vous avez des places aujourd'hui. Ah ouais, c'est dingue. Puis en plus, enfin, hier, il y avait vraiment beaucoup de public qui est resté pour regarder cette demi. Ils ont pris une bonne doudoune au premier, mais ils se sont bien relevés parce qu'ils ont été vite menés 5-1. Tu m'étonnes. Et ils l'emportent au super tie-break. Ils mènent 9-6. Ça revient jusqu'à 9-8, 9-9, je crois. Et après, ils s'en sortent. Donc, vraiment belle victoire. Ce serait pas mal, tu vois, en 2021, pof, avant d'aller sur le Masters, parce qu'ils sont au Masters, de toute façon, de double, gagner Roland-Garros et Bercy la même année, ça le fait. Ça te pose un peu comme équipe de double. On sait que Naomi Osaka a repris l'entraînement. C'est vrai, elle a fait quelques petites photos. Donc, ça voudra dire que Naomi Osaka, logiquement, sera à l'Open d'Australie. Et qui y aura d'autre à l'Open d'Australie? Elle l'a confirmé, c'est Serena Williams, qui a dit qu'elle serait à l'Open d'Australie en 2022. Bon, eh bien, écoutez, moi, je suis curieux de voir comment Serena Williams va revenir là-dedans. On a vu que Ann Jabeur, la petite mémère, heureusement qu'elle ne s'est pas qualifiée pour le Masters, parce qu'apparemment, le coude est dans un sale état. Donc, je ne sais pas si elle s'est fait opérer ou pas, je n'ai pas trop compris. Mais elle est en... Un chat.
Moi, j'ai un lion, là. Un gros chat, ouais. Et elle a une telle, elle a le bras en bandoulière, mais j'arrive pas à savoir si elle s'est fait opérer ou pas. Bon, j'espère qu'elle va bien, petite mémère. Et puis, la Next Gen, vous le savez, là, pour les moins de 22 ans, c'est un laboratoire, ils essayent plein de trucs, machin, donc... On rappelle, c'est des matchs au meilleur des 5-7 avec des 7 en 4 jeux. C'est 4 jeux, ouais. Hein. Il n'y a pas d'avantage. T'aimes pas ce format, toi? Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais bon, écoutez, tant mieux. Hein, ça va plus vite. Voilà, les gens sont contents. Alors là, pour cette année, ils ont mis plein de trucs en place, nouveaux. Donc l'échauffement de 4 minutes. Ah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Hop, non, y en a plus. Non. Alors maintenant, il y a un échauffement de 1 minute. Mais ils ont tapé avant. Non, mais moi, je serais bien qu'ils fassent un échauffement de 30 secondes. Pourquoi s'emmerder faire une minute vrai, une minute, ça fait quand même. Une minute, court, arrive. Allez, un coup droit, un service, c'est bon. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour prendre le. Tu rentres dans la salle. Ça ne marche pas. Quand tu n'as jamais joué sur un central, c'est important. Il a complètement raison. Le mec qui joue. Le central de Wim. Personne n'a le droit de s'échauffer dessus. Federer, qui a joué 150 000 fois, a quand même beaucoup plus l'habitude qu'un Manarino. Tu vois, les 5 minutes, ça te permet de te rentrer un petit peu dans le truc, quoi. Ah si. Mais si, Marie. Alors si, c'est en sûr. 5 minutes. Si tu joues sur le 24 à Jambouin, il n'y a pas de souci. Mais sur un central. Ah, mais je peux te dire que si, parce que tu vas prendre tes repères. Il y a des repères visuels, ça n'a l'air de rien, mais il y a des repères visuels. Tous les meilleurs joueurs du monde qui ont l'habitude de jouer sur les cours centraux, c'est un avantage énorme par rapport aux petits jeunes qui débarquent, qui ne savent pas ce que c'est. Parce qu'eux, ils ont tous leurs repères. C'est très important. Mais après, une minute. Enfin bon. Une minute, autant rien faire. Autant rien faire. Hein. Dans l'absolu. Je ne sais même pas pourquoi ils ont gardé une minute. Bon, enfin bon. Donc il y aura ça. Ça va être marrant. Alors le coaching, tu sais, il y avait les mecs, ils avaient les écouteurs là. Les joueurs avaient les écouteurs. Ça c'est non. Et puis alors ils ont enlevé les écouteurs, mais maintenant ils auront le droit de parler avec leur coach qui sera à côté. Non, ça faut pas. Donc voilà. Ça arrive ça. Donc pour moi c'est une connerie. Mais moi aussi. Encore une fois, parce que voilà, on sait que le tennis, si t'as pas de neurones, tu vas pas y arriver. Ouais. Parce que c'est à toi de t'en sortir. Exactement. Le fameux QI tennis. Le QI tennis de Marie. Alors là, ils ont défini aussi les interventions du soigneur, kiné, tout ce que vous voulez. Il n'y en aura qu'un par match. Quoi qu'il arrive, le gars, il se pète la rotule la deuxième fois. Ça, c'est con aussi. Ah ben non, tu n'auras pas le droit de faire venir un soigneur. Donc, une intervention. Attends, c'est bien de débriefer de ces petites règles-là. Et puis, la dernière, le fameux toilette break. Eh ouais, attends, alors... Ils ont fait quoi? Ils ont mis le toilette à côté de la chaise d'arbitre. Voilà. Donc, une pissotière à côté de la chaise d'arbitre. Jules Varlet râlait au niveau des toilettes de Bercy parce que monsieur, pendant son commentaire, n'a pas pu aller aux toilettes s'il y avait trop de queue. Voilà. De Jean. Oh tu peux le voir au sens propre et au sens figuré, effectivement. Benoît. Ah bah non, mais Marie. Ta vidéo avec Daniel, mon Dieu. La queue était très longue. Et donc le toilette break, donc ils se sont dit, il faut qu'on définisse ce boxon. Donc il va y avoir deux pissotières au fond, dans un coin du cours. Et un petit urinoir, donc hop, ils font pipi dans l'urinoir, et puis s'ils ont un dérèglement gastrique, ils rentreront dans la casemate, mais comme les trucs de chantier, tu vois. Mais non, je déconne. Ah, parce que tu peux être bloqué. T'imagines, t'es sur le cours, tu peux être bloqué avec tout le monde. ouais, non. Jean-Michel, premier degré, j'ai foncé. Quand tu te fais mater, c'est souvent là où ça se... J'imagine. La scary pipi vient pas. Tu sais, avec la caméra. Wow, la vache. Enfin bon, non. Mais ils auront le droit à toilette break. Prise externe ou externe? Qu'est-ce que... Horreur. Donc, il est 11h. Un toilette break de 3 minutes. Voilà. Tu te démerdes, tu le prends quand tu veux, mais il n'y en aura qu'un et ce sera 3 minutes avec le clock qui fonctionne. Voilà. Donc, ils essayent de mettre en... Mais après, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas qu'ils essayent des trucs qui peuvent, effectivement, un moment ou un autre, être intéressants. Mais bon, voilà. C'est tout. Merci pour ce Daily Mail sublime. On va pouvoir enchaîner et vous récompenser, vous, les fidèles. Question Fribette. Ah ouais. Je me souviens plus si elle est bien. Ah, oh, merde, non, t'es dégueulasse, hein. Alors, parce qu'à un moment, voilà, il faut que vous sachiez que ça, c'est... Voilà, l'ATP nous donne, à tous les journalistes, donne des feuilles comme ça tous les matins dans tous les tournois du monde où vous avez des tonnes et des tonnes d'informations. Donc, vous avez souvent Julien Varlet aux commentaires qui vous dit « Ouais, c'est le 378e match et tout !» En fait, il n'a rien bossé, hein. C'est une grosse feignasse, il n'a rien foutu de sa vie, il a juste pris ça et il a lu. Non, c'est pas vrai, c'est parce que mon Juju, justement, il analyse. Juju, il analyse, lui.
contrairement à d'autres. Enfin bon, c'est autre chose. Donc, et ils nous disent à un moment, quelle est la place de Novak Djokovic dans l'histoire ? Ah, ils nous disent, voilà, donc le mec, on est à sa 345e semaine, numéro 1, il a gagné 85 titres, 36 Masters 1000, 20 titres du Grand Chelem. Enfin, un truc de dingue. Mais oui, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, si on poussait un petit peu le truc en étant plus précis. Donc voici la question Freebet. Attention les loulous, concentration. Combien de records Elle est sublime cette question. A battu ou égalé Novak Djokovic en 2021. Là, en cette année 2021. Ou égalé, t'as dit? Oui, oui, oui. Ah, je sais pas si j'ai bien noté ça. Ou égalé. Voilà. Battu ah bah, ou c'est égalé. Nul ça. Donc combien de records a-t-il battu ou égalé Ah si, c'est bon. En cette année 2021, vous me dites 1, 2, 18, 24, 7. Démerdez-vous, ouais, trouvez-moi le chiffre, parce que c'est dingue. Excellente question. Excellente question. Bravo, Benoît Mélin. Point d'exclamation, quiz 5 freebet de 10 euros pour vous, les amis. Et nous, on part tout de suite à Paris. C'est parti au cahier. La finale est connue, oui, elle opposera donc le numéro 1 mondial et son dauphin. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire du tournoi que les deux premières têtes de série s'affrontent en finale après un Edberg-Becker en 1990, sublime année. Avant de parler de ce dixième Novak Djokovic, Daniil Medvedev, retour sur leurs qualifications respectives. Et on va commencer par Novak Djokovic qui a eu besoin de 3-7 juju pour renverser Cousin Hugues qui n'a pas fait le plus beau match de sa vie. C'était pas... J'étais un petit peu déçu par le niveau de jeu de Urkash. Après, il a bénéficié d'un Djokovic qui n'était pas très bon quand même dans la première manche. C'était pas une belle demi. Ouais, puis qui avait du mal à jauger, qui avait du mal à mettre sa tactique en place. Après, on a complètement perdu Urkash dans le deuxième, avec beaucoup de fautes côté coup droit. Et il l'a vu. Pas compris, Il l'a vu tout de suite. Et puis même, alors, des fautes, surtout au niveau du jeu de jambes, les jambes étaient beaucoup trop raides, il n'était pas bien placé. Il a complètement perdu le timing. Donc 6-0, 4-1, tu te dis, bon allez, hop, Djoko va complètement dérouler. Et à 4-1, mauvais jeu de service, il relance sur cash, qui commence à être un petit peu plus agressif, qui vient tenter un peu. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand il prend 6-0, 4-1, il n'y a aucun moment où cash a changé sa tactique. Si 2-3 points, premier jeu du troisième, où il vient un peu au filet, il gagne, il perd, voilà. Mais sinon, dans la globalité, il est resté toujours sur la même... La et même tu base. Comment fatigue, manque de lucidité. Non, moi j'ai trouvé qu'il manquait. Alors après, il s'est auto-endormi. Parce que de base, c'est pas le joueur explosif. On quoi. S'est endormi avec tu vois, c'est pas un Nadal. Mais je trouve qu'il s'est limite endormi tout seul à moins bouger les jambes, à être un peu moins agressif, à venir moins vers l'avant. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Maintenant, voilà, c'est à partir de 4-2 dans le troisième où le match, pour moi, réellement commence. Parce que pour avoir une belle partie, il faut que les deux joueurs jouent ensemble. C'est clair. Et c'est là où ça a commencé à être intéressant parce que c'est là où j'ai retrouvé quand même du Djokovic où. Il trouvait les zones, il a trouvé beaucoup de longueur. Et c'est pour cela aussi qu'il a gêné Urkash qui, de temps en temps, a voulu venir vers l'avant et qui n'a pas réussi à faire ça. Parce que Djokovic a retrouvé de la longueur, il était assez proche de sa ligne, les zones étaient bonnes. Et puis après, bon, voilà, dans le tie-break, ça se joue vraiment pas grand-chose. Quoi. On a Sébastien qui nous dit sur YouTube, Urkash, bon, ben, toutes ces balles bien tremblantes, très peu de frappes tendues, de zones trouvées. On a David qui nous dit sur YouTube, Hubert, il faut qu'il travaille sa vitesse. Quand on voit Medvedev qui se déplace super rapidement malgré sa taille. Et Fabien, de fautes en coup droit chez Cousin. C'est incomparable. Ouais, puis chacun joue avec ses propres qualités. Tu prends je suppose, et je pense que tu prends les tests physiques d'un Urkash, c'est pas du tout les mêmes d'un Daniil Medvedev. Il est plus lourd, je pense qu'il a des fibres beaucoup plus lente qu'un Daniil Medvedev, même si Medvedev est plus... Donc, tu vois, il faisait pas tôt. Encore plus que d'habitude. Tu vois ouais, non, mais t'as complètement raison. Et ça s'est vu côté coup droit, j'ai trouvé qu'il y avait une lacune, une grosse lacune. Maintenant, dans l'absolu, quand tu regardes, il fait demi-finale, il fait pas un bon tournoi. Hein. Non. Techniquement, tennistiquement, quand tu le retrouves, soit à Wim ou soit... Mais c'est ce qu'on disait, il a tellement progressé que son niveau moyen est devenu... Ben, ça lui a permis de s'en sortir. Ça, moi, je me suis dit, ce qui va jouer surtout sur le troisième, fin du troisième, quand il revient vraiment, c'est sa première balle. Qui peut lui permettre de s'en sortir. Dans le tie-break, il n'en est pas loin. Mais par contre, là, bah, tu retrouves un Djokovic qui dit voilà, bim, je suis un métronome, je ne fais pas de faute, je fais jouer. Je trouve les zones longues, croisées. Et si je peux, je viens un petit peu vers l'avant. Basta. Il n'a pas surjoué. Il a surtout essayé de faire le minimum pour ne pas rater Djokovic. Benoît. Bon, moi, je vous trouve super dur. Enfin, d'accord, oui, le niveau de jeu, ils font des fautes. Mais enfin, bon, t'as un mec qui peut être sacré, parce qu'il le sait bien évidemment, qui peut être sacré numéro un mondial pour la septième fois dans sa vie, devenir. Tu crois que ça pèse dans sa tête devant le match ? Bah oui. Ah bah, je peux dire que. C'est une question que Il s'est retourné après le match vers son clan. Je peux dire qu'ils étaient tous là. Hein.
T'es numéro 1, ils étaient tous là, numéro 1, numéro 1, tu l'as, mon gars, mon pépère. J'aurais cru que ça pesait. Lui a toujours dit, moi, gamin, c'est Pete Sampras, numéro mondial, pendant 6 fois, c'est un truc extraordinaire. Et là, le mec, sur un match, il peut le faire. Il joue Hubert Hurkacz, qui, lui, a réussi à se qualifier pour le Masters dans des matchs d'angoisse contre Duckworth, Kupfer, et qui se retrouve contre Joko, où il gagne le premier set. Il se dit, oh, putain, qu'est-ce qui va se passer ? Avec un Joko qui, je pense, était quand même un petit peu tendu, parce que vraiment, oui, ça, c'est sûr. Le premier set n'est pas beau, mais après, dans le deuxième set, merde, c'est... oui, d'accord, Hurkacz fait des fautes, On s'ennuie un peu quand même. Djokovic, je peux dire qu'il il a accéléré grave ses frappes du fond du court, quoi. Il a trouvé de la longueur. Ah bah ouais, bah c'était beaucoup plus tendu, il tentait plus de choses, et effectivement, bah, il me fait penser, tu vois, avec ces Muguruza ou des Vondroušová, dès qu'ils sont un peu sous pression, leur coup droit part en sucette, quoi, le Hubert Hurkacz, alors que bon, pourquoi pas, why not, mais qu'est-ce que tu veux faire, Djokovic, même si le mec n'a pas de match, son niveau moyen, c'est même pas dixième mondial, c'est cinquième mondial, il n'y a pas de faute, il n'y a rien, il offre rien. Donc tu as le Hubert qui cogne, qui essaye de trouver des trucs, mais tout revient. Les quelques fautes, il les fait dans le premier set, mais ça lui laisse une marge sur le deuxième. Imagine. Après, il en fait quasiment. Et Djokovic est quand même à 2 points de la défaite. Moi, je peux te dire qu'à 5-5 dans le tie-break du troisième, je me dis wow, parce qu'il sert bien à ce moment-là. Et malheureusement pour lui, bah, il se foire. Ouais. C'est lui qui sert en plus à 5-5. Et il se foire. Et là, Djokovic ne le lâche pas. Mais putain, c'est, on est apparemment, encore une fois, on le répète, sur une surface où il est compliqué de faire la différence. Et tu te rends compte que bah, ces grandes tiges-là qui balancent des gaufres dans tous les sens, ça avance. Hein. La première de Hubert, la vache, le poids qu'il y a dans la balle, c'est monstrueux, quoi. Et Djoko, bam, et bam, ça renvoie. Tu sais, moi, à un moment, j'étais là sur le bord du court, je me disais, mais il me faisait penser, tu sais, à... C'était Rafter, moi, qui me donnait cette impression, ou McEnroe, quand il venait au filet, t'avais l'impression que les mecs, ils allaient pas faire leur reprise d'appui au milieu du court. Ils allaient directement à droite ou à gauche, en sachant que la balle allait là, quoi. Comme s'ils attiraient la balle. Et ben, Djokovic, j'ai l'impression que ce mec-là, il sait à l'avance... Où le mec va frapper alors, son accélération. Plus vite que les autres. Ah bah, après, je ne sais pas comment il fait. Tu m'as filé ton chat. Ah bah. Tu vois, dans l'absolu, un Fabrice Santoro lisait la balle beaucoup plus tôt. C'est ça, il lise plus vite. Après, c'est un talent et c'est son œil. C'est ça. C'est un Seb Grosjean lisait hyper bien aussi le jeu de l'adversaire. Ouais. Maintenant, où c'est fort de la part de Djokovic, dans la globalité, ce n'est pas le meilleur Djokovic qu'on a. Mais, une fois de plus, c'est toujours se mettre au diapason de l'adversaire. Il sent qu'il est dans le dur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il hausse un petit peu son niveau de jeu. Donc, il se rapproche un petit peu plus de sa ligne pour avoir à couvrir moins de terrain. Il joue plus long, il joue plus les angles, il joue plus les zones. Et tu vois, voilà, il se met à la hauteur de son adversaire. Dans le premier, je pense qu'effectivement, j'avais un peu omis ça. Il est un petit peu tendu, ça ne sort pas très bien de la raquette. Au niveau du jeu de jambes, il n'y est pas. Même lui, il ne bouge pas très bien. Mais après, au fur et à mesure du match, peut-être, voilà, après. Comme on dit, après la première sueur, ça commence à être mieux, il commence à dérouler, il commence à être mieux sur le terrain. Mais une fois de plus, où il est très bon, c'est dans les moments chauds. Il ne s'énerve pas, il se fait débreaker à 4-1. Il ne s'énerve pas, il est encore devant. 5-5, tu peux te dire dans le tie-break du troisième, il est méga tendu. Il arrive comme à sortir des coups, une fois de plus, que les autres ne font pas. C'est ça qui fait la différence aussi. Il fait les top players. Donc, et même là, tu vois, sur la première balle de match, le passing de revers, je me dis, mais il va dans une zone, Hurkacz. Le revers, il va se le mettre comme ça, court croisé. Il fait le court croisé, mais il le rate un petit peu. Mais voilà, maintenant, c'est un métronome. Ben oui, mais encore une fois, tu vois, Hurkacz, sur, comme tous ses adversaires hein, à Djokovic, Hurkacz, la première impasse, ok, bon, compliqué de faire des retours qui soient vraiment efficaces, mais sur la seconde, il est à 34% de points gagnés sur sa seconde. C'est toujours pareil. Encore une fois, ça va être, on en parlera avec la finale, mais c'est toujours la même chose. C'est que si tu n'as pas un bon pourcentage de premières avec des premières vraiment efficaces, tu sais que ça va être très compliqué pour toi, même quelle que soit la qualité de ta seconde balle. Bon, on va en reparler, mais... Et tu te rends compte, encore une fois, que Djokovic s'est offert 12 balles de break. Alors certes, il n'en convertit que 4, mais il y a toujours cette pression inhérente sur le serveur. Le mec, il arrive, quel que soit ton service, peut-être pas Federer, qui est pour moi, n'est pas au même niveau en relance qu'un Nadal et un Djokovic. Et même, encore une fois, même si je dois comparer Nadal et Djokovic, j'ai presque envie de te dire que Djokovic est encore plus fort que Nadal. Mais voilà, tu sais que la balle va revenir. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ?
comment tu vas écarter ton point de telle façon à foutre en l'air Djokovic ? Je ne sais pas si vous avez vu les photos de Corinne Dubreuil. Oh, sublime. Moi, je suis fan absolument de cette nana. Sublime. Travail de photographe. Sublime. Mais là, tu comprends pas. Il vole. Tu comprends pas d'où elle sort cette photo, quoi. Il faut que je la chope pour savoir à quel moment elle a fait cette photo. C'est clair. Je ne vois pas comment. En fait, il se retrouve comme ça, quoi. Il y a les deux pieds qui sont au-dessus du moi, sol. Moi, je pense que c'est un coup de défense, mais. Ouais, sûrement, ça doit être un truc comme ça. Et Djokovic, tu vois, je ne sais pas si on le voyait à la télé, tu vas pouvoir me le dire, mais souvent, quand il se retournait vers son clan, où il n'y a pas d'axe de caméra, il gueulait, tu vois. Enfin, il gueulait. Il s'auto-gueulait. Mmh. Il était là. Ah ouais, on l'a vu s'énerver. Hein. Il se parlait beaucoup. C'est un moment, il y a un ramasseur de balles qui arrive pour lui lancer une balle, enfin, pour lui donner une balle. Il s'est même énervé contre la Et là, il hurle en serbe un truc, tu vois. Ah, il se parle à lui-même. Bah, oui, bah, et tu vois le ramasseur de balles qui. J'envoie la balle, je vois pas la balle. Et c'est super flippant. Et Djokovic l'a vu et il lui a fait un petit clin d'œil et après il est reparti. Et tu dis, mais c'est dingue tout ce qui doit se passer dans la tronche de ces mecs. Par fraction de seconde, quoi. Et ils arrivent à gérer ce bordel. Et puis lui, il a donné. Hein. Il a donné. Et puis à un moment, on note, il y a quand même une liste où le public applaudit une double faute ou un truc. Voilà, Novak pense comme moi, tu vois. Il a fait Non, mais c'est parce qu'il est dans le stress et tout ça. Bon. Bah non, je suis désolée, ça ne se fait pas. Bref, c'est pas enfin, le sujet. Donc, Djoko, donc on en est à. C'était quoi ? C'est sa 54e finale en Masters 1000. Putain. Mais il bouffe tous les records. Tu peux aller chercher plein de records, il les bouffe tous, là. La 7e à Bercy, mais c'est fou. Ça commence à être énorme. On va et le seul donc qui l'a battu en finale à Bercy, c'est Khachanov. Ouais. Hein, en 2018. Mais la veille, quand même, il fait une demi de plus de 3h30. Ah, c'est pour ça, tu te dis. Allez, on va parler d'un autre métronome. Très, très bon métronome également. Medvedev, qui n'a fait qu'une bouchée d'Alexander Zverev. C'est sa 9e victoire de suite à Paris, puisqu'il est tenant du titre. Julien Varlet, waouh. Ah, j'ai adoré. Waouh. Alors, tu vois, peut-être que je suis dur avec Djokovic, avec Urkash, mais le score est sévère. Mais j'ai trouvé, c'était... sincèrement, après, voilà, les gens vont peut-être pas être d'accord, mais pour moi, ce match-là, je dis pas que c'est de la mortie rétro, du coup, entre tout ça, mais tactiquement, c'est une œuvre d'art. C'est que le mec, il a fait exactement... Il a fait exactement ce qu'il fallait pour faire péter les plombs à Zverev. Zverev, il sait qu'il frappe fort, il va l'agresser. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se met un peu loin et il tient la balle. Et tu regardes, c'est son schéma tactique, mais il est d'une simplicité. Mais moi, sincèrement, j'essaye d'inculquer ça aux jeunes que j'entraîne. C'est simple, c'est... Il est en difficulté, qu'est-ce qu'il fait ? Diagonale. Parce que c'est la zone la plus longue, c'est là où tu peux jouer un peu plus fort et c'est là où tu te fais moins contrer. Hop, il joue diagonale. La balle... Et t'ouvres pas d'angle et t'as le temps de te replacer. Ouais, et tu regagnes du temps et naturellement tu te recentres un peu. Ouais. Donc ça, hop, c'est fait, c'est bouclé et il le fait à merveille. Dès que la balle est un petit peu à l'intérieur du court, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre un tout petit peu ou il vient un peu dans le contre-pied pour donner une mauvaise information à l'adversaire. Mais je te jure, mais sincèrement, mais pour moi, ce match-là, alors certes ça fait 2-1, donc les gens vont dire ouais, c'est une branlée. C'est 2-2. C'est peut-être une doudoune, mais tactiquement, mais c'était une merveille tactique. Non, mais sincèrement, on a beau dire ce qu'on veut, et c'est ce que j'ai dit hier. Je suis d'accord avec toi, Medvedev le cerveau, il n'y a pas d'autre mot, maîtrise tactique. On a beau dire ce qu'on veut, je l'ai encore dit hier, et c'est con, et je vais m'arrêter de dire ça parce que je ne veux pas qu'il le prenne mal. Dans la, entre guillemets, la laideur, il y a de la beauté, comme je l'ai déjà dit. Effectivement, il ne va pas te faire une amortie rétro. Son coup droit, t'apprends du tennis à des jeunes, il ne faut surtout pas compenser avec le haut du corps. Lui, ses coups droits, il finit comme ça. Tu dis, mais c'est anormal, mais le mec, il maîtrise son truc. Son revers à deux mains, il a un truc un peu bizarre, mais il te trouve des zones. Tu vois, je trouve que c'est l'anti-Federer au possible, mais j'adore. Je trouve, ce garçon est attachant, j'adore, et puis voilà, je le trouve fabuleux. Et Zverev, non mais Zverev, dans un autre sens, c'est pas qu'il a pas essayé, il a essayé, mais au bout de 10 frappes, qu'est-ce que tu fais à un moment donné ? Bah, tu finis par exploser, quoi. Mais pourquoi il a pas changé de tactique, Zverev ? Alors, c'est ma petite question, c'est qu'à un moment ou un autre, on a vu, c'est là où je trouve qu'il fait une petite erreur, Zverev. C'est que, alors, c'est pas forcément son style de jeu, je suis tout à fait d'accord. Mais la veille, certes, Gaston est gaucher, mais il sait qu'avec des balles un peu rasantes, un peu cotonneuses, il aime pas quand il fait arrière, avant, il aime pas ça, Medvedev. Alors, est-ce qu'il s'est enfermé dans sa tactique en disant, c'est là où je suis fort, c'est là où je suis le meilleur et je veux faire ça, que d'essayer de tenter quelque chose. Il maîtrise quand même le slice, c'est-à-dire, c'est Zverev. Le slicer un petit peu, le faire descendre sur les jambes, la tirer un peu au pied, il ne l'a pas fait du tout. Et donc, il s'est planté, mais Medvedev, moi, il a été merveilleux. Si, là, mais... Non, mais pas une seule fois, il a fait un slice. Mais en plus, la veille, on vante, moi. Putain, je trouve quand même qu'il a progressé à la volée. Moi aussi. Putain, il n'a pas mis une volée. Il n'a pas mis une volée. Il n'a pas fait une volée à mort. J'ai pensé à nous. Toutes les volées. Non, mais et là, je dis, j'ai dit une énorme connerie hier, parce qu'autant j'ai trouvé qu'il était bon, autant là, il n'a pas mis une volée, non, quoi. Alors après, les balles.
La balle aussi n'est jamais simple. Elle n'est pas rapide, elle est basse, elle est sous le câble. Donc il faut mettre la main. Ce n'est pas des balles simples. Tu vois, il n'a pas que des caviars. Mais en attendant, il en a pas mis une. Ah, mais moi j'ai adoré. Hein, j'ai adoré parce que c'était le. Pour moi, c'était le match pour savoir voilà, qui va être numéro un mondial dans 6 mois. Tu vois, à la rigueur. Allez, ou dans 7 ou dans 10 mois, ou à la fin de l'année 2022, j'en sais rien. Et tu te dis, bon, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se connaissent. Tu l'as dit, 10e fois, machin, OK. Va se passer, quoi. Eh ben, va se passer, rien du tout du côté de l'Allemand. Et c'est là que tu te dis qu'à un moment ou un autre, ouais, mais pour être numéro un mondial, il faut avoir des neurones, quoi. Il faut être capable de réfléchir, de s'adapter, de construire autre chose. Et Zverev n'a rien fait. Absolument rien. Il a en face de lui un mec comme Djokovic. Qui ne faisait. J'avais l'impression que Medvedev, genre zéro faute, tu vois. Ouais. Si je voulais les stats, je me dis s'il a fait des fautes. 7. Et Zverev, 37. Donc tu dis, c'est pas possible. À un moment, fais autre chose, bordel. Tu vois bien que ta balle, elle le gêne pas. Et encore une fois, pareil. Tout le temps la même balle. Donc Medvedev, il est 1m50 derrière sa ligne de fond de court. Et boum. Et l'autre, pourquoi j'y arrive pas? Mais fais autre chose, bon. Il se retournait vers son clan, il était en train de s'énerver, mais il leur parlait et tout ça. Il faire autre chose, lui. Bah, logiquement, oui. Bah, c'est j'ai envie de te dire, exactement, comme dit Benoît, logiquement, ça reste Zverev. Donc il peut, à un moment ou à un autre, proposer quelque chose de différent, ce qu'il n'a pas du tout fait. Il a rien fait. Le mec s'est enfermé dans sa mélasse, là, et il s'en est jamais sorti. Et vraiment, la fatigue ? Non. Là, c'est une faute terrible. La connerie ? Non, c'est une faute tactique. Maintenant, est-ce que c'est pas l'orgueil, entre guillemets, du champion de dire, ils veulent battre à son, voilà, son jeu. Comme, ouais. Mais rappelle-toi, Federer, Nadal. Et on en a commenté des finales. Rappelle-toi, sur terre et tout ça. Nadal, Federer qui a essayé à un moment ou autre de battre Nadal à son propre jeu sur terre. Mais c'était impossible. Il ne pouvait pas. Mais les plus grosses branlées de finale de Roland Garros, c'est quand Federer s'est dit, OK, top, je vais le taper. Je vais le taper avec mon tennis, moi. Allez, hop, au vestiaire, une heure. Avec un 6-0 passage. Ah bah ouais. Non, mais voilà. Alors, c'est ça. Soit il fait une grosse erreur tactique et il n'a pas assez préparé son match en disant, voilà, si ça tourne mal, est-ce que je peux proposer quelque chose de différent? Ça, il doit en parler avec son coach, c'est la première chose. Ou alors, c'est dire, voilà, je m'appelle Alexander Zverev, je viens de gagner de Vienne, je suis numéro 2 ou 3 mondial, le mec, je vais l'asphyxier avec mon style de jeu. Et je m'enferme, et je m'enferme, et je m'enferme. Mais à un moment, si tu t'enfermes dans un style, tu dois essayer de casser ça. C'est ça que je trouve dommage. Il n'a surtout pas pu changer de tactique, mais Medvedev ne lui a rien donné pour s'installer sur le jeu. Mais Medvedev, il n'a rien fait. Enfin, dans l'absolu, entre guillemets. Hein. Comme Djokovic n'a rien fait contre Hurkacz. Dans l'absolu, entre guillemets, d'accord. Ils sont là. On connaît leur jeu à Djoko, à Medvedev. On sait que c'est des mecs qui sont métronomiquement injouables. OK, donc toi, adversaire, qu'est-ce que tu vas faire pour les emmerder? Si tu rentres dans leur jeu métronomique, c'est fini. Tu vas gagner peut-être une fois, mais tu vas perdre 20 fois. Mais non, mais je pense que Medvedev, il jubilait. Ah, mais, mais ne serait-ce que par rapport à son visage. Tu le sens qu'il est concentré, mais son visage était 10 fois plus détendu que contre Gaston Laveille. Ouais, il était peiné. Parce que là, avec ses amortis, ses trucs, il l'embrouille. Là, mais il se régalait. Il était en train de regarder Netflix dans son canapé. Hein. Ah, mais non, mais t'imagines qu'il met 2 et 2 à Zverev. Ouais, c'est... Non, mais c'est... dans l'absolu. J'ai halluciné. Mais je te dis, cette faute, tu joues Zverev, qu'envoie des cartouches, t'es 2 mètres derrière, t'as une fond de cours, tu fais 7 fautes directes. C'est un truc. Même moi, si je joue à 31 demain, je fais pas 7 fautes en 2-7. Non, mais dans l'absolu. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, c'est que ça que c'est monstrueux. Tu vois, Medvedev, c'était simple. Critiquer les 30 ans. Non. On pense à François. Et tu voyais Medvedev qui le coinçait dans la diagonale revers. Donc, à un moment, OK, le Zverev, vas-y. Ah, bah tiens, je vais rentrer dans le petit combat. On y va. Allez, hop, c'est parti. On échange. Aucune variation de revers. Donc, Daniil, avec son geste trop bizarre, là. Et puis, à un moment, lui était super détendu, très bien dans son match. Donc, sa longueur de balle était parfaite. Pas celle de Zverev, donc à un moment, une balle un peu plus courte, un tout petit peu plus haute, et le Medvedev est carré long de ligne. Mais les gars, avec la fatigue, on peut aussi manquer de lucidité, non? La fatigue de Zverev? Ah oui, parce qu'il avait enchaîné avec Vienne, d'accord. Après, tu vois, il y a quand même une chose, c'est là où Medvedev est super fort. Je pense qu'il avait très très bien préparé son match avec Gilles Servard. Il s'est dit, si je veux le battre, il faut que je rentre tout de suite, je suis concentré. Faut, comme je disais, tu sais, hausser mon niveau de jeu par rapport à l'adversaire que j'ai. Et il l'a fait extrêmement bien. Et quand tu regardes, il n'y a pas un moment où Zverev a proposé une balle comme a pu proposer Hugo Gaston Laveille. Une balle un petit peu cotonneuse où Medvedev doit faire le jeu. C'est là où il est moins bon.
Il est moins bon quand c'est à lui de rentrer, de faire le jeu avec son coup droit, les décalages coup droit et tout ça. Il aime pas trop, c'est pas ce qu'il aime. Et ben, il y a aucun moment où Zverev lui a proposé ça. Donc l'autre, il était tranquillement et hop, tiens que je te ramène et que je te trouve les diagonales. Hop, de temps en temps, tac, un petit revers en ligne pour te montrer quand même que. Mais le mec, il est fabuleux, quoi. C'est grandiose. Et je suis d'accord avec la fatigue, puisque on le soulignait depuis pas mal de jours maintenant qu'effectivement Zverev tirait la langue. Mais justement, si t'es touché physiquement et que tu sais que tu vas jouer Medvedev ou Djokovic. Mets en place un jeu qui va te permettre de t'économiser. Parce que si tu pars dans les longs rallyes de 30-40 frappes contre ces mecs-là, mais c'est toi qui vas crever. C'est pas eux, c'est toi. Donc, à Zverev de nous montrer autre chose. Quand il venait au filet, c'était par obligation. C'était soit Daniil qui faisait une amortie, soit tout d'un coup, il voyait que le Daniil était assez loin, un peu sur le côté, il se dit « j'y vais ». Mais tu sentais que même si la balle arrivait sur lui quand il était au filet, il savait pas quoi en foutre. Il se disait « merde, il va falloir que je joue une zone super compliquée parce que sinon, il va y être ». Il s'est pris la tête, quoi, Zverev. Alors, fatigue, peut-être, certainement même, mais il est complètement passé au travers de son match. Moi, ce que je trouve dommage, quand même, c'est de retrouver un Zverev à ce niveau-là, tu vois, à ce niveau-là, passé, entre guillemets, au travers tactique. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment... et tu vois, moi, le premier, très souvent, on critique un peu le tennis féminin en disant, voilà, elles sont dans un style de jeu, elles n'arrivent jamais à varier ou quoi que ce soit. Bah, il a fait la même. Et ben, Fabien nous dit, mais il n'est peut-être pas en mesure de proposer cette tactique-là de variation avec des balles cotonneuses. Si, il l'a fait. Il l'a fait, on l'a déjà vu faire ça. Mais même, il n'y a pas que les balles cotonneuses, il y a plein de choses à faire. Dire, construire ton point de telle façon, tu vois... Au lieu de jouer toujours dans l'axe le plus profond possible, on sait que Zverev est tout à fait capable de commencer comme ça, d'écarter, de jouer un peu plus court, trouver des angles, déplacer son adversaire, et après, tu ouvres ton court. Et sa puissance, même, elle est dingue. Et même, tu vois, mais là, il n'a pas fait. Et par rapport à ça, sur les jeux de service de Medvedev, tu es sur la défensive, tu essaies juste de relancer. Mais sur ces jeux de service, je veux parler du fameux égalité, le slice, s'ouvrir le court et rentrer dans le côté opposé. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Si, je crois qu'il fait un serre isolé, c'est sur la balle de 7. Il doit faire un serre isolé dans le match. Il est tellement loin. À un moment ou à un autre, tu te concentres sur toi, d'accord, mais il faut aussi observer un peu l'adversaire. Il le connaît, ils se sont déjà joués. Il sait, ou alors il est très très bête, et son entourage ne lui dit pas, il sait exactement quelles sont les failles d'un joueur comme Medvedev. Il n'a pas proposé à un moment ou à un autre quelque chose de différent. C'est ça que je trouve dommage. Tu dois faire des balles courtes, tu dois modifier ton service, tu dois toucher des zones différentes. Alors, on va lui dire fatigue. Ok, d'accord. Ouais. On t'excuse là-dessus, on verra au Masters. Mais là, en tout cas, le 2 et 2, il va falloir le digérer très, très vite. On va parler maintenant de cette finale entre les deux métronomes, entre le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial. 10e duel à venir entre Djokovic et Medvedev. Le Russe reste évidemment sur une victoire marquante, puisque c'est lui qui prive le Joker du Grand Chelem en remportant l'US Open en 3-7. Ce sera leur 3e duel cette année. Leur 3e finale, d'ailleurs. Qui va prendre l'ascendant en 2021? J'ai mon petit sondage qui va arriver, parce que là, vous êtes énormément à nous suivre, les amis. Vas-y. Donc, n'hésitez pas, parce que j'ai aussi envie d'avoir vos avis. Avant le gigot. Balancez le petit sondage avant le gigot du dimanche. Il est 11h37, Djokovic ou Medvedev. Vous inscrivez le nom de votre vainqueur. Non, attends, arrête, il y a deux personnes là qui viennent d'écrire. Et je vous mets les cotes en même temps, les amis. Alors, Djokovic, donne-moi de la cote. Balance la cote. Il n'est pas favo. Il est à 2-0. Ouais. C'est énorme. C'est quand même rare de voir Djokovic pas favori. C'est ça. Alors, fais un peu le tour. Ouais. On fait le tour, on regarde, avant d'avoir votre analyse, on regarde un peu. 3-700 vainqueurs. Alors, attends. Déjà, ils sont très partagés, Noinami. Je vois que sur les scores exacts, par exemple, il n'y a pas vraiment de majorité. C'est très partagé. Le 3-700 vainqueur, si on imagine une belle finale en 3-7, il est à 2-10. Ça, c'est pas mal. Le 3-7 Djokovic est à 3,90. Le 3-7 Medvedev est à 3,60. Oh, nos parieurs vont en majorité sur Daniil. 2-7 Medvedev ? Ils vont sur Daniil Medvedev. Et 2-7 Medvedev ? Et le 2-7 Djokovic pour voir ? Le score exact le plus misé, c'est le 2-7 Daniil Medvedev. À combien ? À 2,60. Voilà, vous avez les bases de nos parieurs maintenant. Juju, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Après, elle était énorme, cette finale. Comme tu l'as dit, c'est la finale rêvée. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on va avoir un peu un... Ça va être un match, ça va être de l'échec. Ça va être un match d'échec parce que... Jeu d'échec, pardon. Parce que Djokovic, il va essayer de faire déjouer, je pense... Là, pour le coup, il ne va pas faire les erreurs qu'il a pu faire Zverev. Donc, il va essayer de le faire déjouer. Il sait, et il peut l'utiliser, ce fameux slice, lui casser les jambes.
attirer un petit peu Medvedev au filet. Mais sincèrement, je pense, je dis bien, sur ce tournoi, je trouve que Medvedev est au-dessus de Djokovic. Même si Djokovic va hausser son niveau de jeu, il en est complètement capable, il manque un peu de rythme quand même pour aller titiller. Et je trouve qu'il est encore un petit peu fébrile sur les balles, les moments importants. Même si hier, il s'en sort, mais ça reste quand même que Urkaš. Je trouve que Medvedev est meilleur que Djokovic sur ce tournoi. Encore plus avec la démonstration qu'il a pu faire hier. Oui, mais qu'est-ce qui... Mais alors, vas-y, mais bon... Service. Qu'est-ce que va faire... J'ai presque envie de te dire que Medvedev ne va pas créer dans l'histoire. Non. Parce qu'il sait qu'il est... Il va faire exactement ce qu'il a fait hier. OK. Qu'est-ce que doit faire Djokovic ? Eh bien, ne pas faire ce qu'a fait Zverev. Essayer de venir chercher les points au filet. Essayer de le faire. Mais il sait le faire. Essayer d'ouvrir beaucoup plus les angles. Il sait le faire. Essayer d'ouvrir beaucoup plus... Oui, je suis d'accord, mais je... C'est jouer court. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi psychologique qui va rentrer là-dedans? Parce que c'est quand même celui qui l'a battu à l'US Open. Donc tu as une grosse revanche. Après, il a sa place de numéro mondial, donc il peut arriver à lâcher. Oui, mais dire, voilà, c'est Medvedev qui le bat et qui l'empêche de faire ça. Rappelle-toi ce que je t'ai dit lundi dernier. Lundi, la première réunion, émission qu'on a fait, j'ai dit Djokovic, je ne le vois pas gagner ici, ouais. Faire finale, mais pas gagner ici, mais gagner le Masters. Parce que c'est un tournoi, il ne faut pas oublier, il n'a pas joué depuis. J'ai l'impression que ça dépasse une finale, c'est la revanche là. Ouais, mais les mecs, ils sont tellement contents, tu vois, ils sont contents d'être en finale, c'est de la joie de jouer. Là, sourire, ils s'adorent, ils sont potes, je sais. Ah non, non, mais il a envie de... Ils sont potes, mais toujours est-il que c'est pour eux, là, c'est bonheur, c'est que du bonheur. Il y a que du positif là-dedans. Bien sûr. Djokovic, c'est que du positif. C'est-à-dire que s'il est là, ça veut dire que déjà, comme tu l'as dit, ça fait plus de 50 jours qu'il n'avait pas joué au tennis dans l'absolu, enfin certainement en compétition. Deux matchs officiels. Après, à l'entraînement... Je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait, parce que je pense qu'il a vraiment dû avoir besoin de couper avec tout ce bordel-là, ambiant. Il revient, le mec est en finale, quoi. C'est le numéro 1 mondial. Son but, c'était, il faut que je finisse numéro 1 mondial à la fin de saison, je peux le faire à Bercy. Il le fait. Ouais, mais il est en finale, il joue Medvedev. Et sur le papier, je pense qu'il en est conscient, logiquement, Medvedev a le petit avantage... par rapport à la répétition des efforts, de la compétition, de la victoire à l'US Open. Medvedev va rentrer sur le court. Logiquement, dans la tronche de Medvedev, je pense que Daniil Medvedev se dit qu'il doit... Enfin, pas qu'il doit, mais qu'il est plus fort. Et je pense que ça peut être un désavantage pour Daniil Medvedev, ça. Parce que quand il rentre sur la finale de l'US Open, OK, d'accord, mais là, il joue un Novak Djokovic qui est injouable en Grand Chelem, qui n'a pas perdu un match lors de la finale de l'US... Enfin, au moment de la finale de l'US Open, qui est là pour le Grand Chelem, qui a Landerne, tout le monde ne parle que... C'est l'outsider. Et sur ce match, je suis assez d'accord avec les cotes, c'est lui le favori, quoi. Tu rentres pas souvent sur le court contre Djokovic en étant favori. Ça gère aussi ça mentalement, hein. Moi, je veux voir. Ah, mais c'est passionnant, cette finale. Bon, enfin, passionnante à analyser. Je ne sais pas, Djokovic, dans quel état... J'espère, en tout cas, que ce sera plus beau que la finale dont tu as parlé, la seule finale de Bercy qui a eu lieu entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial en 90. J'ai pas de souvenir de cette finale. Ah, ben moi, je m'en souviens. Alors, ça. Raconte-nous. C'est l'époque... où Edberg Becker, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. Edberg Becker s'échange la place de numéro 1, numéro 2 mondial. Il ne se blesse pas d'ailleurs. Ben si. Et en fait, Edberg Becker, c'est la finale de Wimbledon pendant 3 ans, 89, 90, 91, c'est eux. Et Bercy à l'époque, c'est hyper rapide. Et t'as Edberg Becker, numéro 1, numéro 2. Tout le monde est là. Ouais, moi, je suis là. Je me dis, putain, le kiff total. 3-3. Becker se blesse à la cuisse. Abandon, fin de match. Oh. Bah non, bah on va pas espérer ça. Ah bah non, mais bien sûr, mais tout peut arriver. C'est toujours pareil, on est en fin de saison. Il faut faire très attention, il y a le Masters derrière, il y a eu des efforts. Je pense qu'il y a des efforts qui sont assez énormes du côté de Djokovic, on se rend pas compte. Ah bah, c'est clair. Ce qu'il a fait contre Urkaš, merde, quand t'as pas joué depuis longtemps... On sent quand même un peu emprunté, je trouve, Djokovic. Il a du mal à se mettre dans le match. Je le sens moins fluide, physiquement, moins, parce que Mais ça reste un humain, ça reste un joueur de tennis. J'ai trop oublié ça. Non mais tu sais, tu as beau t'entraîner, les matchs c'est complètement différent quoi. Et puis il a toujours cette pression. Dès qu'il y a un adversaire en face, dès qu'il monte sur le court, c'est pour qu'on le batte. Donc tu vois, faut qu'il se remette dedans. Mais moi je partirais. Regarde nos amis. Sec sur Medvedev. Ça m'impressionne. Je sur cette semaine, quand je regarde que la semaine. C'est clair. Sur cette semaine, pourtant il m'avait un peu pas déçu, mais bon. C'était pas terrible Medvedev. Hier, il m'a plus que rassuré. Parce qu'il est capable. Ce sont des joueurs qui sont capables sur un match de hausser le niveau de jeu. Parce qu'ils connaissent leurs adversaires, ils connaissent leurs forces. Il va hausser son niveau de jeu, il va faire un bon match Djokovic. Mais je vois Medvedev gagner. Attends, il y a Brian
Pelmar qui dit... Where is Brian? Y a Brian, where are you? Au fait, il y a combien de joueurs qui ont réussi le doublé parisien Roland-Garros, Bercy? Je crois qu'il n'y en a qu'un. Je crois que c'est Agassi. Il n'y a qu'un, comme le L de Roland d'ailleurs, mon cher Brian. Je crois que c'est Agassi en 99. Je crois qu'il n'y a que lui. 59% voient Daniil Medvedev quand même, de ceux qui nous suivent. Et vous êtes nombreux, on est quasiment 1000 là en direct. Medvedev, 59% pour vous, Medvedev à 1,80. Je sais. Tu pars sur Medvedev? Moi, je pars sur... Alors, tu sais quoi? Non, mais me dis... Match compliqué. Avec des hauts, des bas et tout ça. Mais je vois Medvedev au bout. Benoît? Putain, c'est Djokovic. Mais c'est ça. C'est pour ça que moi, je reste sur mon Djokovic. C'est Djokovic, pardon. Je me dis, il a tellement envie de le bouffer. C'est Djokovic, mais j'ai envie de te dire... cette finale de l'US, quoi. J'ai envie de te dire, tiens, c'est moi le patron. C'est Medvedev. Regarde, c'est moi le patron. Tu vois? C'est trop important, ça. Ouais, mais c'est top. C'est top parce que tu sais pourquoi? D'autant plus, on a une belle semaine. Le public était là. Ouais, il y avait un monde de dingue encore. Aujourd'hui, ça va être partagé, le public, là, tu penses? Ou plutôt Medvedev? Moi, je pense que le public peut titiller Djokovic parce qu'ils aiment Djokovic monter un peu dans les tours et s'énerver. Ouais. Et puis, Daniil, lui, il est loin de tout ça. Il va faire son truc. Donc, je pense que les gens vont être peut-être plus Medvedev, titiller un peu Djokovic pour qu'il sorte un peu de ses gonds. Et voilà. Je vais aller sur... Alors, je vous ai expliqué pourquoi je vais aller sur Djokovic. Et pas parce que c'est Djokovic. Parce que déjà, il va certainement pas jouer à des années-lumière même de la pression qu'il a vécue lors de la finale de l'US Open. Et comme tu l'as dit, c'était joué en finale de l'Open d'Australie, il n'y avait pas eu de match. Mais Daniil Medvedev avait appris de cette finale de l'Open d'Australie en comprenant qu'effectivement, s'il voulait taper Djokovic, il fallait qu'il fasse en sorte que sa seconde balle soit moins attaquable pour Djokovic. Qu'est-ce qu'il a fait à l'US Open? Il a augmenté sa vitesse de balle sur la seconde balle de 30 km/h, ce qui est monumental. Ce qui a empêché Djokovic de rentrer dans le court, de distribuer l'échange, et à Daniil Medvedev de prendre l'ascendant très rapidement dans les points. Ok, mais on est à l'US Open. On est sur une surface qui est plus rapide que celle de Bercy. Donc, quelle que soit la qualité de balle de Daniil Medvedev, je pense que s'il n'a pas 80% de première balle de service, il va se retrouver quand même dans une grosse merde. Même avec ses premières, la balle va revenir, c'est sûr et certain. Et si jamais sa première ne passe pas pour une raison X ou Y, stress, la fatigue, le fait d'être favori, j'en sais rien, ça va être compliqué. Et tu ne peux pas prendre des risques à 190 sur ta seconde balle en permanence. Bah, c'est un petit peu dangereux. Ou alors, une fois dans l'année, quand il avait fait à Cincinnati, où il bat Djokovic, où il est à 6-3, et il enquille des deuxièmes. Oui, mais on est à Cincinnati. Ouais. Encore une fois, Cincinnati, US Open, dur, rapide, balle qui fuse. Là, on n'y est pas, quoi. Tu vois? Et je me dis, si on doit arriver encore une fois avec un joueur qui a bien évidemment vu le match d'Hugo Gaston, et avec un Daniil Medvedev qui après dit « Ah putain, qu'est-ce que y a un truc que j'aime pas, c'est courir vers l'avant, vous pouvez savoir comment ça te casse les cannes et tu dois revenir, qu'est-ce qu'il va faire le Djoko? Tu crois qu'il va faire quoi lui ?» Ce qu'il avait fait en Australie. Exactement ce qu'il a fait en Australie, c'est-à-dire je te mets des balles longues pour te faire reculer un petit peu, derrière, la petite balle courte, très basse, t'es obligé de faire ton grand pas d'octopus là, et tu vas remettre, mais tu seras pas à l'aise, tu vas me la remettre, mais tu vas m'ouvrir, forcément tu vas m'ouvrir une opportunité. Et puis si jamais t'es un petit peu à l'aise, eh ben je vais te faire une petite amortie. On sait que tous les deux touchent plutôt bien, mais Djokovic quand même a une qualité de balle qui est monstrueuse. Et je trouve que dans la construction du point, alors si ce match venait à durer, je pense qu'effectivement j'irais sur Medvedev. Mais je me dis que Djokovic a toutes les armes. Ah donc tu n'imagines pas un match qui dure? J'en sais rien. Mais Djokovic nous a habitués là récemment à avoir des matchs quand même un peu plus longs. Ce que je vais regarder et observer, ce qui est hyper important sur Medvedev, sur ses engagements, ça va être son deuxième coup de raquette. Je pense qu'il va servir bien, comme à son habitude. Mais il est obligé de vite prendre l'ascendant. Mais ça veut dire que son deuxième coup, il peut potentiellement avoir des coups un peu faciles. Est-ce qu'il est capable de tout de suite tuer le point et mettre en difficulté Djokovic? S'il ne tue pas dès le deuxième coup de raquette, l'échange peut s'inverser un petit peu. Et là, Djokovic peut commencer à lui rentrer dedans et rentrer un peu dans le jeu. C'est pas son ADN de jeu, quoi. On sait que Medvedev, Djokovic sait le faire. On le sait qu'à un moment, quand il est en difficulté, il trouve une zone au service. Parce que putain, qu'est-ce qu'il est bon au service, ce fumier. Il trouve une zone au service et il va te tuer le point avec un retour un peu haut, en revers, croisé court, terminé, ou coup droit, croisé court, terminé. L'autre n'y est pas. C'est impossible. Pas Medvedev. Medvedev, c'est pas son jeu, quoi. Même s'il sert très très bien, ok, le retour est tard, il va dans l'axe, mais il part dans l'échange, quoi. Il s'en fout, il sait très bien qu'il fera pas la faute. Mais ça, contre Djokovic, je sais pas s'il peut se permettre de le faire, quoi. Et comme dit Julien, je me demande s'il va pas s'obliger. Et puis, est-ce que c'est pas un... Enfin, ça a l'air dingue, hein, mais est-ce que c'est pas un laboratoire de l'avant-master, cette finale, pour eux, de se dire, ok, d'accord, c'est Bercy, oui, mais bon,
Le but du jeu, c'est le Masters aussi dans l'histoire, quoi. Et se dire, attends, qu'est-ce que je vais faire ? Parce qu'on sera quasiment sur une même surface, tu vois ? On ne sera pas à l'US Open, il n'y aura pas la même pression. Encore une fois, je trouve que toute la pression est sur Medvedev. C'est lui qui est tenant du titre à Bercy, c'est lui qui a gagné le Masters. Ouais, mais on attend la réponse de Novak aussi, tu vois ce que je veux dire ? De cette dernière finale. On attend de voir, on veut voir. Mais lui, je pense que lui, dans sa tête, n'est pas dans cette disposition-là. C'est qu'il a fait... De quoi ? Dans la disposition qu'on a, on l'attend, c'est on l'attend. C'est vrai, mais il ne veut pas arriver. Il a fait une coupure, comme l'a dit Benoît. Il a fait une coupure de 50 jours. Il se dit, lui, comme ces mecs-là, ça reste un Masters 1000, certes, c'est un tournoi de préparation en vue du Masters. Moi, j'aurais envie de me défoncer là pour m'avoir tué mon grand chelem calendaire. Ouais. J'aurais alors, envie si, de dire, alors, mais tu sais quoi, là, mon pépère. Si tu fais ça, tu seras jamais numéro un mondial. C'est le cas, Benoît. Malheureusement, tu vois, j'ai jamais été. Non, mais c'est très intéressant quand tu parles avec eux de voir à quel point ils sont capables de se déconnecter de tout ça en deux secondes. C'est fou. Quand t'as Federer qui te dit après la finale de Wimbledon, c'est bon, une demi-heure après, j'avais arrêté d'y penser. Mais non. C'est pas vrai. Ben non, ça a mis 3 jours. Ok, 3 jours. Un joueur lambda, je peux te dire, c'est même pas la peine. Oui, mais si, c'est normal, c'est du travail mental. Tu peux pas t'imaginer ce que ces gars-là sont capables de faire. Oui, d'accord, mais c'est dingo. Je veux dire, toute ta vie, mais c'est pas leur vie, ça, c'est pas ça, son truc. Peut-être trop romantique. C'est quoi l'histoire de Djokovic ? Djokovic perd la finale de l'US Open. Moi, je suis persuadé qu'encore une fois, tout ça est construit. Pourquoi il s'arrête de jouer ? Bien évidemment qu'il se prend un traumatisme dans la gueule qui est monumental. Parce que, voilà, il gagnait son 21e tournoi du Grand Chelem, il faisait le Grand Chelem calendaire, stop. C'est toi. I am the king, I am the goat, ok ? Plus personne ne va me faire chier. Il le fait pas. Fracassage. Ok. Il aurait pu revenir à Indian Wells, rejouer un petit peu, se réchauffer, même s'il perd Indian Wells. On ne va pas dire Djokovic est fini. Même s'il perd Bercy, on ne va pas dire Djokovic est fini. Non, non ça, mais on il s'arrête, encore contre il s'arrête 50 jours. C'est monumental pour un joueur comme ça. 50 jours. Pourquoi il s'arrête 50 jours ? Moi, je me dis, il s'arrête 50 jours parce que le mec, il se nettoie la tronche. Degrés. Il se prépare, il se fait son foncier déjà. Il arrive, il se fait son petit tournoi de reprise à Bercy. Derrière, il y a le Masters. Ok, d'accord, c'est important le Masters, mais... Il l'a gagné 6 fois son Masters. Donc derrière, après, il y a l'Open d'Australie. Moi, je suis sûr qu'il sera à l'Open d'Australie. Parce que l'Open d'Australie, s'il le gagne, il fait la décima. Il gagne son 10e Open d'Australie. Et excusez-moi, mais si Nadal revient, on ne sait pas du tout dans quel état il sera. Si Federer revient, et beaucoup de gens sont en train de dire que Roger Federer sera à l'Open d'Australie, mais s'il revient, dans quel état, à quel niveau et tout ça, on n'en sait rien. Moi, je me dis que là, le Djoko, il s'est préparé pour être injouable. Pas là. Peut-être au Masters, mais surtout à l'Open d'Australie. Sa coupure, il l'a faite pour préparer son début de saison 2022 de telle façon à être, encore une fois, le mec qui sera prêt. Pour les grands chelems. Pour les grands chelems. Et c'est là que... Tu t'arrêtes pas. Tous les calendriers de ces mecs sont prévus. Tout est construit, préparé pour jouer. Tu décides pas parce que t'as perdu un match ou gagné un match. Non, mais tu perds pas un match, tu perds le match de ta vie. Non, mais c'est sûr. Mais comment on reconstruit notre calendrier pour repartir sur des bases qui sont de toute façon pas pour gagner des Masters 1000, qui sont là pour... Tu vas écrire l'histoire, bordel. Donc tu dois gagner quoi ? Des tournois du Grand Chelem. Puisque tout le monde ne parle que de ça. Donc gagne-moi des tournois du Grand Chelem. Ok, numéro 1 mondial de fin d'année ? C'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. C'est hop, ok. Les Masters, ok, il va égaler Federer si on gagne. Ok, on se fout. Personne ne se souviendra de ça dans l'histoire du jeu. Ce qu'on se souviendra, c'est que oui, il a fini numéro 1 mondial 7 fois en fin de saison. Que oui, il est à 300 000 années-lumière à la place de numéro 1 mondial. Et que putain, il a gagné plus de tournois du Grand Chelem que Federer et Nadal. C'est ça l'histoire. Ils le savent, ils sont pas cons. Hein. Ils ont pas besoin de gagner un Bercy, encore une fois. Oui, c'est très bien, mais c'est pas... Je suis sûr que ce n'est pas dans sa construction de calendrier. Sa construction de calendrier, c'est l'Open d'Australie 2022. Et il y sera, j'en suis sûr et certain. Ah, il y a Ivanovic qui nous dit que mon fils était forfait. C'est le running gag depuis quelques jours, là. Mon fils est forfait Jean-Paul Sartre est mort. Du coup Moi, je reste sur Djokovic. Tu restes quand même sur Djokovic à 2-0-5. Je pense que... Daniil Medvedev, il joue qui ? Ok ? Il fracasse tout le monde. Le seul mec qui l'emmerde, c'est Hugo Gaston. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, putain, la balle, elle est compliquée, bordel. C'est pas la balle qu'il a l'habitude d'avoir. Oui, mais il est gaucher. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Allez, attention. Hein. Medvedev à 1,80 les loulous. Novak Djokovic à 2,70, c'est combien ça? 2,60. Ah non, 2,90. Moi, je suis en train de gérer un petit souci en régie, je gère ça. Tu voulais quoi? 2,90. Juste vous dire qu'il y a une cote boostée aussi hein, sur Winamax TV, les amis, c'est le 3-7. Le 3-7 qui est boosté. Si vous voulez une petite cote boostée sur ce match-là, c'est le 3-7. Redis-moi, Juju. Je crois que c'est 2,86. 2,90. Ah, du coup, vous ne croyez pas à mon 3-7 boosté? Bah, de toute façon. Je ne peux pas, il y a tout qui est en train de nous lâcher. Mais la cote Djokovic est possible. 2,70 était à 2,90 et Medvedev 2,70, 2,60. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alexandre Lecomte. Oh, Alexandre Lecomte! C'est oui. Les Aseftiens. Benoît, tu en penses quoi de la Billie Jean King Cup? On n'en a pas parlé cette semaine, on n'en parlera pas forcément. Mais déjà, on n'a rien suivi, donc on ne va pas vous parler d'un truc qu'on ne suit pas. On en parlera demain. On en parlera demain, parce que demain, on sera là pour débriefer de la finale. Bah, on va clore sur cette super finale. Regardez sur Winamax TV. 58% d'entre vous vont aller sur Daniil Medvedev, comme Julien Varlet, 42% sur Novak Djokovic, comme Benoît Mélin. À vous de faire vos jeux. N'oubliez pas d'ailleurs que le pari doit rester récréatif, c'est important de le souligner. Les amis, mon ordi a lâché, tout a lâché, ça signe la fin de cette émission. Mais avant, on va répondre à la question. Ah oui, Fribet, Benoît, Mélin. Alors, je ne sais pas ce que vous avez répondu, j'ai vu. J'ai vu pas mal de 3, 7, mais pas la réponse. La réponse, c'est 8. La réponse, c'est 8. 8. En 2021, il a égalé ou battu 8 records. Et il peut en battre un 9e s'il gagne Bercy, puisqu'il en sera à 37 Masters 1000 et il passera Nadal qui en est à 36. Tous les deux, ils sont tous les deux à 36. Je vous fais juste la liste comme ça pour le bonheur. Parce que et en 2021, il égale le nombre de victoires en Grand Chelem. Il rejoint les deux autres avec 20. Il bat le record du nombre de semaines numéro 1 mondial de Federer, puisqu'il en est maintenant à 345. Hein. Federer, 310, on était. Il est le seul des trois bigs là à gagner au moins deux fois chaque grand chelem en simple. Il égale le record de finale en grand chelem de Federer, 31 tous les deux. Il égale le record de petit chelem, parce qu'on parle toujours du grand chelem, et le petit chelem c'est trois grands chelems sur quatre dans l'année. Ben, il égale ce record qui était détenu par Federer, qu'il avait fait trois fois en 2011-2015, enfin, qu'il avait fait, et Djokovic le fait en 2011-2015-2021. Il égale le record de Nadal d'avoir gagné au moins deux titres du Grand Chelem sur trois surfaces différentes. Parce qu'en Australie et US Open, c'est dur. Mais terre battue, gazon et dur, eh ben, il égale le record de Nadal. Et il bat le record de titres du Grand Chelem sur dur, qui était détenu par Federer, donc entre l'Australie et l'US Open. Federer en avait 11, et bien lui, il en a 12. Le monstre c'est Novak dingue. Djokovic qui c'est bouge dingue. Tout sur son passage. On a dit, Michel nous dit, Benoît, 20 grands chelems, ce n'est pas un record. Il a dit égaler, dépasser égaler. Ou battre. Qu'est-ce c'était que vous la comprenez question. Pas Mais arrête, c'est Michel. Bah Michel, un moment. Hein Tokyo, t'arrêtes la verveine. Les amis, bon voilà, bravo à ceux qui ont gagné 10 euros de Freebet. On va passer maintenant. Juju, j'espère que tu es prêt. T'as vu, j'ai moins. Il a mis le slim, non, il a mis les. J'ai moins parlé. T'as vu, je me suis rentré dans mon personnage là, dans mon. Je, il est rentré dans son match. Voilà, sur la dans mon question, match. J'ai moins parlé sur les 2-3 minutes. J'ai laissé. Tie break. J'ai laissé vaquer Benoît Mélin. Alors, on nous dit un petit mot sur le double. C'est vrai qu'il va commencer là bientôt le double. Un petit mot sur le double, les amis. Herbert Mahut à Bercy. Un mot, c'est-à-dire. Est-ce qu'on les voit gagner? Oui. Après, ils ont fait vraiment une bonne partie hein, contre Pierce Polasek, ça jouait vraiment bien. Ouais, non. En plus, ouais, à Bercy. Reste dans ton match, par pitié. T'as raison. Point d'exclamation. Oh là. C'est pas le bon. Non, je suis pas valide. Je me disais 5, c'est beaucoup, mais tu dois être à 40 euros. 40 euros à 4, si, ouais, 40 euros elle si Julien s'impose. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a des petits problèmes. Bon, c'est pas grave. 40 euros, voilà, et 10 euros pour Benoît. Là-bas. Non. Benoît, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça qu'en fait, ils viennent jamais sur moi, parce que voilà. Vaut mieux. Il y a que moi qui peux leur faire gagner de l'argent. Bah, 10 euros, c'est pas allez, mal. Prêt Attends. Non, mais c'est la finale. Attends, t'es dingue ou quoi? Fais monter la pression. J'ai mis la cravata, c'est arrête tout. Arrête de faire ça en mode. Allez. Boum, d'entrée. Petite claque.
est dingue, je vais adorer cette finale. Combien, on compte bien, 2-0. 2-1. Je serai porculant. Rentre dans la balle, voilà. 3-1. Beaucoup d'agressivité de la part de Julien. 3-2. Il arrive. Yeah, oh là, allez. Là là là. 4-2. Yes, ah, allez là. Il prend la bande, il prend la bande, c'est sublime. 5-2. Voilà, et le niveau, il est fou, fou, fou. Merde, on est en retard. Vite, vite. Le niveau est là. Désolé. 5-3. Il y a du live fin après. Pardon. Yeah. Non, ça sort. 6-3. Je me suis... J'ai fait le blaireau. Reste en ton non, match. J'ai fait le blaireau. J'ai fait le blaireau. Là, je ne fais pas le blaireau. Oh, oh non, la bande. La bande. Oh là là, tu vois. Bande sortante. Non, mais là, même pas la bande, c'est ça. Reconcentre-toi. 6-4. Attends. 6-4. Attends. Et on va se faire défoncer, il y a la F1 après, les amis, je vais me faire tuer, là. Let. Let. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oh, là, 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 là. T'as fait le blaireau sur... 6-5. Oh, là, là, 6-6. La remontada. Putain. 7-6. Yes, yes. Mentalement, non mais c'est le GOAT, c'est le GOAT. Benoît Mélin, incroyable, incroyable. Merci à tous d'avoir été avec nous cette semaine, mal. Les amis. Celle-là, elle fait très, merci, très mal. Merci, mon Dieu. Non, ça, c'est la finale de l'US Open, tu vois. Ouais, elle fait très, 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 très mal, celle-là. Merci à Loïc en régie. À suivre de l'AF1, je suis désolée pour nos amis de l'AF1. Restez tous nombreux devant l'AF1, là, tout de suite. Merci, mon Benoît. Merci, mon Juju. On se retrouve demain à 18h avec La Piche et Benoît pour analyser cette superbe finale. Oh, quelle finale. Et écoutez, Juju, sur C8, tout à l'heure. Je vous embrasse très, très fort. Merci, merci pour cette semaine. Prenez soin de vous. Ciao. Et à demain, 18h, carte papier. La semaine prochaine, sans gueule. Sans filet. Thank you.